Alors, président Jean Lambert, vous êtes le président de la commission environnement de l'Espace Sud. Alors, pourquoi ces journées portes ouvertes ? Bien, ces journées portes ouvertes parce que nous sommes dans le cadre de la semaine du développement durable. Et puis, nous avons choisi portes ouvertes sur les déchetteries parce que, comme nous allons au, comme on dit, au maxi-tri, puisque nous sommes obligés de faire, de trier un maximum les déchets, puisque les structures qui accueillent actuellement les déchets, les déchets à ciel ouvert vont être fermées. Donc on donne à la population la possibilité de trier ces déchets et de les emmener en déchetterie justement pour qu'ils puissent voir comment cela se passe. Hein. Il y a des bennes de différentes sortes pour les déchets verts, pour les ferrailles, pour les cartons. Enfin, la population est appelée à venir de manière à voir exactement de quoi est faite une déchetterie, en quoi cela consiste, et de manière à justement à nous aider justement à trier les déchets pour que, parce que les déchets seront fermés et nous ne pouvons plus jeter les déchets comme avant. Donc, il faut les mettre par catégorie. Certains seront recyclés, certains seront réemployés. Mais on ne peut plus jeter les déchets, on est obligé de trier. La déchetterie, c'est le bon endroit où on peut faire tout cela. Merci.